Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Un petit tour automatique. Vous allez voir, ça marche tout seul. Le concept est vraiment très étonnant. Et amené avec une petite histoire, ça peut le faire. Comme d'habitude, la démo. Et pour ceux qui voudraient l'apprendre, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description et également dans la section commentaires. Ah oui, et en fin de vidéo, on verra le tirage au sort et l'annonce du gagnant du concours. Allez, c'est parti. On se retrouve pour la démo de ce tour. Donc pour ce tour, on va pas avoir besoin du jeu en entier. On va utiliser que quelques cartes. On va utiliser la famille des piques et sortir les premiers piques. Alors les 9 premières cartes à piques. Alors on va les sortir comme ça. Là, tac. J'espère ne pas en oublier au passage. Hop, voilà, je pense que c'est tout. On va quand même vérifier. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et As. Parfait. Par la suite, c'est le spectateur qui fait ça. Donc avant on va d'abord un petit peu mélanger les cartes, un peu n'importe comment, voilà. Et on va demander au spectateur de couper le petit paquet. Comme ça, il complète la coupe, c'est parfait. Donc là, les cartes, on ne peut pas connaître l'ordre au préalable puisque le spectateur a coupé également. Et là, on va lui demander de prendre ce petit paquet et de retourner la première carte et d'en prendre connaissance, secrètement. Alors ici, ça tombe sur un 8. Donc c'est lui qui en prend connaissance, il regarde, il retourne et il va faire passer donc la valeur qu'il a trouvé. Donc ici, 8, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à partir de là, il retourne la carte suivante. Ici, un 9. Je ne vous l'ai pas dit au départ, mais le 9 est une carte très spéciale qui renferme en fait un secret. Regardez bien. 9, on épelle 9. N, E, U, F. Et là, les deux cartes suivantes, sans les regarder, on les pose de côté. On verra tout à l'heure. Par la suite, on va éliminer les cartes, c'est-à-dire on en pose une ici, on met en dessous. On en pose une, on met en dessous. Et jusqu'à ce qu'il nous reste plus que deux cartes en main, de cette façon. Et les deux, sans les regarder également, on les pose ici. Toujours avec le 9 qui est toujours là, toujours présent, toujours avec son fameux secret. 9, on fait passer 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et de la même façon, on sépare pour avoir des paires également. Je vous ai dit qu'au départ, le 9 renfermait un secret. Si on passe dessus sur les 4 paires et qu'on regarde les paires maintenant, on peut s'apercevoir que la somme des paires forme à chaque fois 9. 8 et 1, 9, 7 et 2, 9, 5 et 4, 9, 3 et 6, 9. Alors que le petit paquet avait été mélangé au départ et coupé par le spectateur, la somme est à chaque fois égale à 9. C'est vraiment un mystère ce 9. Et voilà, j'espère que cette petite démo vous aura plu et a éveillé une petite curiosité en vous. Comme d'habitude, si vous voulez apprendre ce tour, vous avez le lien de la vidéo explicative directement dans la description et dans la section commentaires de cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir. Également, mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription, magistreaming.fr, pour apprendre les bases de la magie des cartes ou de la magie des pièces et retrouver également des tours de magie en cartes ou en pièces. Et pour ceux qui voudraient me soutenir, vous pouvez aussi également retrouver sur ce site ma plateforme de VOD Magie Streaming où vous aurez des vidéos de tours de magie, l'apprentissage de création de gimmicks et bien plus encore. Bref, je vous remercie d'être présent chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et d'activer la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous laisse avec le résultat du concours de la semaine dernière. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le site pour le tirage au sort du concours. Donc voilà, je vais mettre l'URL de la vidéo de la semaine dernière pour rechercher les commentaires. Voilà, donc ensuite fait recherche de commentaires, hop, donc allez, ça cherche, 300, 400, 500, donc 525 participants, c'est énorme, je crois que ça fait partie des plus gros concours que j'ai fait, je crois. On va pas patienter plus longtemps, je vais faire start pour lancer le tirage, attention, ça recherche, et le gagnant c'est Baptiste Choc, donc bravo à toi, eh ben, tu viens de gagner le tour Credit Cards. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais tout simplement te contacter sur YouTube. Donc je vais mettre un commentaire sur le commentaire que tu avais mis sur la vidéo pour te tenir informé. Derrière, il faudra qu'on se contacte soit par mail, soit par Instagram ou Facebook, peu importe, pour échanger les coordonnées afin que tu reçoives directement chez toi le tour. En tout cas, merci beaucoup d'être présent à chaque fois quand j'organise un concours. Vous êtes vraiment à chaque fois nombreux à jouer le jeu et à participer, ça me fait vraiment plaisir. Je vais essayer dans les prochains jours d'organiser régulièrement des concours, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Encore une fois, merci et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et un prochain concours. Ciao tout le monde !